qui joue, mais... Ah, il y a trois mois qu'il joue. Non, François joue depuis qu'il a 9 ans. Oui, oui, mais... Mais ensemble, non, ils ne jouent pas souvent. Voilà, mesdames et messieurs, Yvonne est arrivée à ses fins. Il y a 2 ans déjà, elle m'avait demandé de venir jouer un petit morceau d'accordéon. J'étais un petit peu réticent, ça faisait longtemps que je n'en faisais plus que de manière très épisodique. Et puis l'an dernier, elle a appris que Louis, mon fils, avait commencé l'accordéon. Là-dessus, elle est revenue à la charge, mais bon... Louis n'avait pas encore d'expérience, j'avais encore une bonne excuse. Cette année-ci, Louis a un petit peu d'expérience, et moi je m'y suis remis. Et donc voilà, nous allons vous jouer 3 valses. C'est Louis qui vous présentera les valses. Je vous demanderai beaucoup d'indulgence, puisque nous sommes loin d'être des professionnels comme le sont monsieur et madame Martin. Et on espère qu'on ne va pas faire trop de fautes et qu'on réjouira un petit peu vos oreilles. Un applaudissement pour tout le monde. Allez. Allez, plus fort. Non, moi, j'ai la place un peu. Ah, voilà, comme ça. Oui, on a le voit plus. On le voit plus. Ça va? On va faire la chanson d'huile. Excusez-moi, madame. Thank you.
que c'est possible d'avoir un petit peu de silence par respect des artistes ici. Merci. Merci à vous tous et maintenant, place aux pros. C'est un grand mot. On peut encore les applaudir bien fort. Un petit homme qui n'est pas prudent. On peut féliciter ces deux gamins. Et le papa qui n'est pas beaucoup plus grand, hein. Voilà Sandrine Crouspin qui est aujourd'hui sur scène parce que Madame Thieu a été retenue, ce n'est pas de sa faute, on peut l'excuser, va offrir à Luca et Louis un présent. Et on peut applaudir, voilà. Monsieur Erdeken, lui, va offrir les fleurs.